vous allez bien? Oui. Allume-moi la salle un peu que je vois qui on a ce soir, j'aime bien ressentir ça. Ah ouais, vous m'avez mis un troisième rang, troisième âge. Ça va? Parce qu'il y a des couples un peu dans les personnes plus âgées. Il est où, monsieur ou madame ou... Voilà, combien de temps qu'on est sur un petit love, vous? 42 ans. Ça fout une ambiance, hein. Attendez, peut-être qu'il y a plus. Est-ce qu'il y a plus que 42 ans? Ouais, non, ça devient compliqué. Ouais. Mais qui êtes-vous, madame? Vous qui êtes-vous? Vous me connaissez, vous, madame? Vous êtes venue au hasard ou vous me connaissez un petit peu? Mes beaux-parents vous connaissent. Ils sont où, les beaux-parents? Ils sont encore plus vieux? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous me faites un... Quand vous me connaissez, vous? Ah oui, il est un peu sourd, hein, le monsieur. Vous m'avez vu où? Au Zénith. Au Zénith? Avec Kev Adams? Ouais. Mais vous allez voir Kev Adams, vous? Bah oui, mais j'adore, mais m'engueulez pas! Elle m'engueule! Bah oui, voyons, merde! Mademoiselle en rose, je vois pas. Madame en rose, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Espagnol. Vous avez fait une fac d'espagnol? Et vous êtes quoi aujourd'hui? Vous... Ouais, logique, quoi, ouais. Où ça, dans quel établissement? À Barentin. Tu viens de Barentin? Tu fais espagnol? Vous savez le jeu avec les cartes là? J'ai les deux. Comment s'appelle ta prof d'espagnol? Je sais même. Tu sais même pas? Comment vous appelez, madame? C'est elle? Attendez! Quebró la yo del sol! J'ai fait allemand. Alors du coup? Je l'ai eu au collège. Tu l'as eu au collège? C'est quoi ton prénom, toi? Manon. Manon comment? Manon. On se souvient d'un nom? Mais les textes, je les oublie pas. Bah, les fois! Attendez! Tu vas pas l'oublier. Capillairement, déjà, il se passe un truc. Après, au collège, peut-être t'avais pas cette coupe. Alors, vas-y, regarde. Oh. Tu te souviens d'elle? Je sens que t'étais pas très forte en espagnol. Je sais pas pourquoi! Je sens qu'elle est en mode. Oh putain, elle était nulle. Oh là 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 là. Je la reconnais pas, chérie. Tu l'as reconnu un petit peu? Un petit peu. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps, vous deux, là? Vous voulez qu'on le fasse en espagnol, madame? On était animateurs en centre de loisirs. C'est vrai que ça baise, alors. Je l'ai fait, je sais. Les ados, là, vous avez passé le BAFA ou pas? T'as quel âge, mon pote, là? Ouais, toi? 19 ans, tu fais quoi toi? T'es bouché? J'adore. Où ça? À Rouen. À Rouen? T'es bouché à Rouen? L'accent de Rouen, vous remarquez pas, moi je fais le tour de la France. Dès qu'il y a une personne qui fait Rouen, toi t'es normand toi. Et c'est ta sœur à côté, c'est quoi? C'est ta sœur et la sœur. C'est toi. Ah ouais. Ça va les filles, ça va? Tu fais quoi toi? Je vais faire quoi toi plus tard? Moi? Je vais faire Sciences Po. Sciences Po, voilà. Misez sur elle, je vous le dis. Combien de moyenne tu as, toi? 7. Super, et la sœur, elle a combien? Pareil. Pareil? Oh, et toi? Moi, je suis à la fac de médecine. Mais qu'est-ce que ça foutu le boucher, toi? Après, pour les opérations... Ah voilà, le ligament croisé, c'est bon, c'est enlevé. Tu m'appelles s'il y a un autre truc. Fac de médecine, en quelle année tu es, toi? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Elle a réservé les places depuis un an, donc je suis obligée de venir. Ça m'a fait un peu mal. T'avoues que... Là, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, tu sais déjà où? Je veux être sage-femme. Bon, bosse tranquille, t'inquiète. Vous pourrez bosser en famille. Le cordon! Voilà! C'est beau. Vous êtes rencontrés comment, vous? Par des amis. Par des amis, et vous, c'était comment, vous? À la danse. À la danse? Là, on va rigoler. C'était quel genre de danse? La salsa. Ah, beau gosse! Oh, il est malin, lui, gros baiser, il était là. Là. Tu fais encore de la salsa aujourd'hui? Ouais, on en fait toujours. Ah ouais? Mais on s'en barre, on se fait. Donc, vous connaissiez pas? T'avais pécho d'autres danseuses avant, là? Oui.
Les gars, là, il y a tous les mecs célibes, là. C'est où les cours? C'est où? C'est où? C'est où qu'il y a des dispos, là, là? C'est où les cours de salsa Sarouan? C'est juste au-dessus, c'est au Coco Bongo. Au Coco Bongo, ah ouais, je vois ce que c'est. Ouais, c'est... Ah ouais, ça... et du coup, c'est facile pour pécho là-bas. Bon, c'est parce qu'il y a une conversation là-bas à 3 que j'ai vue. Hein. Ou alors il se fait sucer, mais j'ai pas vu. Alors, je... En fait, j'ai vu deux têtes comme ça. J'ai... Il y en a un qui se fait plaisir. Attends peut-être que les lumières soient fermées, histoire quand même que... Salut maman. Allez. Alors du coup, c'est quoi les petites messes basses là-bas? Eh ben génial, on va faire. C'est ta meuf? Non, c'est ma sœur. Ah. Vous y allez encore un peu? Il y aura... Ça dépend, parce que t'as la salsa, t'as la bachata, t'as la kizomba. Ouais, enfin, c'est quand même trois danses du gros baiser. Enfin, je dis, tu vois, je connais un peu, c'est des danses, c'est juste écolé, tu fais... La kizomba, ouais, d'accord, la kizomba, c'est ça. Kizomba, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment t'es collé et tu fais... Le mec qui a créé ça, c'est un génie. Il s'est dit, bon, comment je pourrais me frotter facilement dans le métro? À chaque fois, je prends une amende. Je vais appeler ça la kizomba. Non, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est... Le pire, c'est que maintenant, vous allez penser à moi à chaque fois que vous allez vous asseoir sur un tabouret. Et ça... Première danse, vous vous connaissez pas, on vous a foutu ensemble? Bah en fait, tu tournes avec tout le monde. Alors du coup, tu tournes avec tout le monde? Voilà, et puis on s'est vu peut-être deux, trois fois avant. Et quand il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quoi? Que vous êtes vu en dehors? Voilà, c'est ça. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait un petit resto? Non, on a dansé. Pour le lourd. Elle était allée devant chez elle. Ça va ou quoi? On va où? Je sais pas. Ah ouais, ça c'est les quais de Seine. Ouais, bah hop. Hop, ça c'est la cathédrale. Tu veux voir les illuminations? On n'a pas le temps. Allez hop. Hey, j'ai un level un peu sans faire. Hey, je vois, vous êtes en mode. Mais il le fait bien ce con là. C'est pas mal. T'es blessé en plus au doigt, j'ai vu. Il s'est passé quoi? C'était à l'escalade. C'est sûr, frérot, si tu grimpes comme as. Je peux faire ça deux heures, je vous le dis. Moi, je sais pas quand vous passez de votre soirée, mais moi, oui, je vous le dis. Par applaudissement, il est femme fontaine. La mère vient d'applaudir devant sa fille. Et ça. C'est magnifique, parce que vraiment. Et elle a fait. Abra España maintenant. Par applaudissement, faites voir la célibataire. Allume la lumière un peu. Allume la lumière. Juste. Voilà, là-bas, on cherche quel type de personne? Des personnes vivantes, apparemment. De quoi? Un homme, quelle tranche d'âge? 48. Les hommes célibataires d'une quarantaine d'années ce soir? 40, ça marche. Oui, bon. Messieurs, elle est la dalle! Dans deux minutes, 27, ça va aussi, hein. Voire 78, bon, si le PEL est conséquent, pourquoi pas? On ne sait jamais. Alors messieurs, les hommes célibataires par applaudissement que je vois? C'est le boucher. Son daron, plus clair de toi mon fils. Les vieilles, c'est les meilleurs. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tous entendu là-haut? On va... Je te laisse le redire parce que cette expression a l'air fabuleuse. Je ne la connaissais pas. Alors silence s'il vous plaît pour cette belle expression. C'est dans le vieux pot qu'on fait le meilleur soupe à condition d'y mettre des carottes nouvelles. Mais c'est le meilleur boucher de France. Oui. Est-ce que ça t'a séduit? Pas tellement, j'ai l'impression. Évidemment, du bruit pour mes parents.
pour mon oncle et ma tante aussi qui sont là, évidemment. Aussi, évidemment, un de mes meilleurs potes qui est là, qui ne soutient plus le début, Raymond, qui est dans le canapé là. Vous pouvez allumer la salle, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a un pote à Wam, il n'avait pas de place, on l'a foutu dans un canapé avec sa meuf. Vous, vous êtes comme As, lui, ça fait une heure et demie, il est... Oh là là. Il m'envoie, il me dit, frérot, royal, hein. Et il me dit, il n'y a pas des petits fous, il est là. Donc, on peut le remercier parce qu'il me donne beaucoup de force. C'est un garçon adorable. Il a demandé sa femme en mariage, il n'y a pas longtemps. Parce que, je vais vous dire... Parce qu'il nous l'a annoncé sur le groupe WhatsApp, et il dit, gars, j'ai demandé... Anso, en mariage. Ah, putain, raconte. Il dit, bah voilà, on était en vacances, j'étais à l'hôtel, on est rentré. Moi, je me suis mis à genoux, elle a dit oui, puis bah après, je l'ai défoncé. Je vous jure que c'est pas une vanne. Je crois qu'on voit quand vous filmez, madame. Non, mais allez-y, vous voulez que je prenne la pause? Cougar. Est-ce que vous acceptez de viager? Ça paraît facile. Bah, j'attends. Elle a dit tu vas avoir une fessée. Je suis prêt, je suis prêt. Si vous voulez prendre une photo, tiens, vous faites une photo générale. Et ce qu'on va faire, c'est que je me mets dans une position inadéquate, vous allez dire meilleur moment du spectacle. Et je sais pas, je me mets un truc comme ça. Et les gens comme ça sur vos réseaux sociaux diront mais c'est quoi ce spectacle? Par contre, maniez votre cul parce que c'est pas la meilleure position. Oh là, la constipation. On est bon? Non, bah je refais une autre position. Comme ça. C'est ça ma carrière en fait.